Aussi connu comme l'un des meilleurs boxeurs poids lourds de sa génération, Tyron Fury n'est pas seulement un grand boxeur, mais aussi un multimillionnaire. Il s'est fait une fortune massive au cours de sa carrière. Bienvenue au Journal du Monde. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons vous parler de la fortune incroyable de Tyron Fury. Alors comme d'habitude, bon visionnage. L'année ne fut pas facile pour le boxeur, mais le million d'euros engrangés seront une douce consolation. Tyron Fury, 35 ans, dominerait largement le classement des boxeurs les mieux payés en 2023, avec un revenu estimé à près de 82 millions d'euros. En 2021, la carrière du boxeur semblait au point mort. Le retour au sommet en est d'autant plus spectaculaire. Selon le magazine économique américain People with Money et sa très attendue liste des boxeurs les mieux payés du monde, Fury aurait amassé entre le mois de septembre 2022 et septembre 2023 la prodigieuse somme de 82 millions d'euros, sonnant et trébuchant. Une hausse de quasiment 50 millions par rapport à l'année précédente, de quoi lui remonter le moral. Pour établir son classement, le magazine People with Money tient compte des gains directs mais également des revenus issus des partenariats publicitaires, des royalties et tout autre investissement. D'après les calculs, le boxeur entrepreneur pèserait près de 245 millions d'euros. Outre ses gains professionnels, il devrait son immense fortune à des judicieux placements boursiers, un patrimoine immobilier conséquent et très lucratif contrat publicitaire avec les cosmétiques Covergirl. Il possède également plusieurs restaurants à Londres, dont le nom Lagos Tyson, un club football, 8-1 show et serait également impliqué dans la mode adolescent avec une ligne de vêtements Fury Seduction, ainsi qu'un parfum Lowe de Tyson. Autant de succès financiers. Cette première place était très attendue par les fans de Tyron Fury qui n'osaient plus espérer ce retour triomphal sur le devant de la scène. Tyron Fury a-t-il mérité sa victoire face à Francis Ngannou? Laissez vos réponses en commentaire. Bye bye!